soirée sur TF1. En vous remerciant, vous nous avez envoyé des milliers de lettres suite à notre première émission. Nous n'avons pas pu sélectionner tous les cas, mais vous aurez votre chance, je m'y engage, un jour ou l'autre. Alors, parmi les cas que nous avons sélectionnés, j'ai dû aller dans un stade de foot à Lens, très exactement, devant 22 000 personnes pour aller chercher un spectateur qui ne s'y attendait pas et qui a reçu un message d'amour fabuleux. Je me suis déguisé également en livreur de pizza pour surprendre un garçon qui ignore qu'une de ses collègues est amoureuse de lui. Vous verrez un concert comme vous n'en avez encore jamais vu. Imaginez un homme qui, pour se déclarer à la femme qu'il aime, se met à chanter du Mike Brand sur la place de Lille. Tout ça, c'est les surprises de Parlez-moi d'amour, c'est l'émotion de Parlez-moi d'amour, c'est les éclats de rire Parlez-moi d'amour. Alors, bienvenue! Nous allons commencer par quelque chose de superbe, une histoire que je vous souhaite à tous. Vous racontez à tous les deux et à tous nos amis de Parlez-moi d'amour l'histoire de Carole et Jean-Marc. Ils étaient tous les deux mariés, mais chacun de leur côté, avaient chacun une vie de couple. Et comme ils étaient exactement dans le même lotissement, quand un couple sortait, il confiait ses enfants à l'autre couple. Et c'est comme ça que Jean-Marc et Carole sont tombés amoureux l'un de l'autre. Bien sûr, évidemment, ils ont divorcé tous les deux. Et puis, ils ont vécu une belle histoire d'amour. Ils ne vivent pas ensemble, mais je crois savoir que Carole aimerait bien. Il faut savoir que Jean-Marc, lui, en dehors de son boulot, chante de l'opérette dans les maisons de retraite, dans les bals. Vous allez voir qu'il a une voix extraordinaire. Et il y a un double enjeu, en fait. Elle, je crois qu'elle voudrait vraiment, comme je vous l'ai dit, vivre avec lui. Et lui aimerait lui prouver son amour. Et regardez ce qu'il a imaginé pour elle. C'est une superbe déclaration. Et ça se passe à Lille. La voilà, cette superbe place Charles de Gaulle dont je vous parlais il y a quelques instants, en plein centre de Lille. Faites-moi ce petit plaisir. Regardez comme c'est joli. Eh bien, c'est ici que Jean-Marc, dans quelques instants, va déclarer sa flamme à celle qu'il aime en chantant devant tout le monde sur cette place. Faut avoir du courage, hein? Lequel d'entre vous oserait faire ça? Mes amis, laissez-moi vous présenter. Le héros du jour, c'est Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, bon, alors, Jean-Marc, le trinque, je suppose. Oui, beaucoup. Le contraire serait étonnant. Alors, vous êtes amoureux à ce point pour oser chanter comme ça en public? Oui, vraiment, vraiment. Bon, alors, on va se préparer. On va simplement dire à nos amis que nous avons une complice, évidemment. La compagne de Jean-Marc va être amenée par sa maman tout à l'heure dans le quartier. C'est là que j'irai la chercher. Elle ne se doute de rien. Et quand elle va le voir en train de chanter en plein Lille, je pense que ça va être grosse émotion. Hein. Allez, on va se chauffer la voix. D'accord. Et moi, je prépare ma petite surprise. Bonjour mesdames, excusez-moi de vous déranger, bonjour. 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 Vous appelez Carole? Oui, c'est ça. Vous allez me rendre un petit service, Carole, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lisez là? Les surprises de Julien Courbet. Mais je suis Julien Courbet. Donc je vais être obligé de vous faire une surprise alors. Vous venez avec moi? Qu'est-ce que c'est? On va faire quelques pas. Venez. Mais je suis comme ça, je fais des surprises aux Lillois, je viens les voir sur la place Charles de Gaulle. Et j'ai une petite surprise pour vous. Carole.
Jean-Marc et Carole. Installez-vous. Et encore des applaudissements pour la performance de Jean-Marc. Très grand chanteur d'opérette. Oui. Alors Carole, comme j'expliquais tout à l'heure, vous gardez les enfants puisque maintenant vous en avez une ribambelle. Combien vous en avez en tout de vos deux mariages respectifs ? Six. Et quand ils chantent le soir, c'est vous qui les gardez, donc vous n'avez pas beaucoup l'occasion de le voir chanter ? Non, pas du tout. Je voulais vous poser une question à tous les deux. Oui. Je vais la poser d'ailleurs à Carole pour commencer. Carole, pourquoi vous ne vivez pas ensemble ? Parce qu'il y a des enfants, il y en a six, et puis on a peur un petit peu qu'il y a des petits conflits, mais on aimerait bien quand même, enfin moi j'aimerais bien. Vous avez peur que ça fasse beaucoup de monde à gérer, ces voilà, six enfants. Voilà, c'est ça, parce que ça fait quand même six. Moi je ne peux pas grand chose pour vous, Carole. Ça, je sais bien. Si quelqu'un peut quelque chose, c'est Jean-Marc. Oui. Oui, alors je voulais faire la surprise, elle ne sait pas encore, c'est que j'étais voir un notaire. Parce que c'est vrai que j'hésitais au début pour les enfants, puis voilà, on avait chacun une maison. J'étais voir le notaire il y a à peu près un mois, et j'ai décidé de revendre ma maison, s'il est d'accord, et racheter une plus grande maison pour qu'on puisse en vivre à deux, et les enfants, bien sûr. Il est formidable, ce Jean-Marc, hein. Alors dites-moi Jean-Marc, quand vous chantez, oui, avec une voix pareille, avec des chansons d'amour aussi puissantes, vous devez avoir un succès auprès des femmes incroyable. Oui. Ah ben voilà, au moins c'est clair. Vous croyez que si moi je me mets à chanter des choses comme ça, une femme que j'aime, elle... Ah peut-être. Non, par exemple, je suis amoureux de Sharon Stone, moi. Oui, il n'y a pas de problème, je pense. Si je lui fais « C'est comme ça que je t'aime, Sharon », ça peut marcher ? Bien. Puisque vous chantez merveilleusement bien, j'ai décidé de vous offrir des places pour l'Opéra Comique, tout près de chez vous. Vous irez voir très exactement le mariage secret de Sima Rosa, et vous irez dîner ensuite en pensant très fort à nous, et nous en pensant très fort à vous. Merci. Merci. Bravo et merci beaucoup. Merci.
avec les meilleurs tubes sur une compilation. Patrick, maintenant, tu sais où sont les femmes. Elles sont dans cette émission. Elles sont là, elles sont partout ici ce soir. Merci. Et nous allons faire une ovation, si vous le voulez bien, à tous nos participants ce soir. Car sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Merci et bravo pour vos déclarations. Allez, lance. Et je vous rappelle qu'à votre tour, vous pouvez venir ici nous faire des surprises, vous faire des surprises en téléphonant au 08 36 68 22 82 36 15 côté F1 ou à l'adresse suivante qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. C'est ainsi que se termine ce Parlez-moi d'amour qui était plein de rebondissements. Je crois que... Là, il y a eu des rebondissements sur le canapé maintenant. Il y avait de l'émotion. On va rappeler que notre amie Wettel, Marie-France, vous la verrez très prochainement au cinéma où elle donne la réplique, je crois, à Gérard Depardieu dans un film qui s'appelle Alliance cherche-toi. Avouez que c'était des circonstances. Je vous donne rendez-vous le temps d'une page de publicité pour un Sans aucun doute où nous parlerons cette fois-ci de rêves brisés. Vous voyez qu'on va changer complètement de décor et de gens dans le sport, notamment dans le patinage, à qui on a promis plein de choses. Et à force d'entraînement, à force de promettre des choses, ça ne s'est pas réalisé. Que deviennent-ils aujourd'hui? Ne le manquez pas, c'est dans quelques minutes. Vous avez été tous géniaux, on va vous applaudir une nouvelle fois. Merci. À bientôt.